tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Quest 11 pour voir où trouver les brassards en or. Alors je crois que c'est la chaîne en or, le brassard d'or et le plateau d'or. Et pour ça, on va se rendre à la ville de Gondolia. Donc sachez que normalement, à ce stade du jeu, vous devriez être à deux doigts d'avoir accès à la téléportation. Je crois même que vous l'avez déjà à ce stade-là. Et du coup, dans la ville de Gondolia, on va se rendre simplement à l'église qui est ici. Et on va aller choper le livre de recettes dans l'église. Il y aura les trois équipements. Hop, vous allez à gauche. Quelle chance, l'Emurger a trouvé un livre de recettes intitulé L'Orfèvrerie, une école de la vie. Il le parcourt, l'Emurger apprend à fabriquer les plateaux d'or, les chaînes en or et les brassards d'or. Alors je dois lire très vite, parce que je suis allé très vite. Mais voilà. Alors notamment les chaînes en or donnent des points de vie et de la défense. Et c'est très cool sur tous les personnages, mais surtout genre Veronica et Serena, qui sont des mages qui ont très peu de points de vie et très peu de défense, qui se font vaporiser. Et vous pouvez équiper les chaînes en or par deux. Il faut mettre deux chaînes en or sur Veronica, deux chaînes en or sur Serena. Et moi j'en ai mis deux sur tout le monde. Parce que c'est quand même assez fort. Donc voilà, la chaîne en or, c'est tout particulièrement puissant. Écoutez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, les commentaires sont là. N'hésitez pas à vous abonner ou à me soutenir sur Tipeee, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !